Bonjour à tous et à toutes, c'est LucasFunkDX. On se retrouve pour l'épisode 7 du Let's Play de Poképark Wii, la grande aventure de Pikachu. Et pour cet épisode 7, on va encore aller faire du recrutement, mais cette fois-ci dans la zone glaciaire. Mais avant de attaquer le recrutement, j'ai quelques dés à dépenser, voilà, je vais améliorer les caractéristiques de Pikachu. Donc j'espère que cet épisode 7 va toujours vous plaire parce que ça fait mine de rien. Je pense que je vais pouvoir reprendre de manière régulière le let's play de Poképark. Donc je tiens juste à voir les sets de Pikachu. Alors je crois que c'est l'énergie qui est pas au point. J'ai déjà été voir Wydead je crois. Donc on va aller voir Desarmando. Ok, donc on va aller. Je crois que c'est Cassandre qu'on a pas encore été voir. Parce qu'il est une tête de con. Bon, j'arrête d'insulter. Alors, on va améliorer notre 350. C'est parfait, c'est pas parfaitement ce que j'ai. J'ai plus de Pezzo, c'est le fin du mois. Alors, du coup, il me faut porter du mine à te faire si je fais pas de conneries. Alors du coup, dans ma... je sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez quand on est en combat, on a des crans de vie, et puis là j'ai gagné un cran de vie supplémentaire, on peut avoir 5 crans de vie au maximum. Bon, alors... Ah merde. Oh merde, putain, j'ai plus de sous. Bon bah on va y aller à pied. On va y aller à patte. Donc, concernant le let's play, alors, ce let's play, bien entendu, reste principal. Et concernant Overfeuille, bien entendu, je ne devrais pas récupérer la sauvegarde. Mais attention, je vais bientôt pas le faire. Je pense que quand cette vidéo sera mise en ligne, je serai en vacances et je vais en profiter. Ben, le soir, pendant que il y aura des trucs de merde à la télé, ben moi, je pense que je vais aller... continuer Pokémon Overfeuille et je vais essayer de runner le jeu à l'accéléré, de masser quelques cheat codes pour pouvoir aller plus vite. Pour pouvoir simplement aller chercher les. Pour pouvoir continuer le let's play tout simplement. Et j'espère que cela vous plaît toujours. Ce bon let's play de Poképark. En sachant que je pense que je vais enchaîner les tournages là. Je pense que dans cet épisode, je vais enchaîner les tournages entre l'épisode 7, 8, 9 et je pense que je vais m'arrêter au 9. Ouais. Je vais enchaîner les tournages. Parce que bah, je pars en vacances et surtout, j'ai aucune vidéo de prévue. J'ai pas de Pokémon, j'ai pas de Minecraft, j'ai rien du tout. Et concernant pour les intéressés, le Frozen Cavern est arrêté tout simplement parce que j'ai perdu la map. Et voilà. Donc. Je pense aussi que lorsque cette vidéo aura été tournée, je pense que la vidéo sans abonnés sera déjà sortie. Et je tenais quand même à vous remercier pour les 100 abonnés parce que ça fait énormément plaisir. Alors, on va... cette zone de glace, ça me rappelle la montagne à Lightrun. Bonsoir. Oh non. Bon, on l'a déjà en ami, donc non, on va se pas... Je suis gentil, je vais te laisser... Moi je veux pas wesh. Ouais. Alors. Ok, on a foutre. Alors, la course ça te branche. Ouais. Moi je suis branché, 100 volts. Allez, va vite. Hein oui, piégé. Merde. Bon, on va continuer la course de ce fur de merde. Oh merde. Il m'énerve. Et je vais la rattraper, je vais la rattraper. Je l'ai eu. Thank you.
Shonen Rasta et tout, right? Ouah, t'as sûr, rencontre VM pote et tout. Alors, Colossin, je l'ai déjà. J'ai déjà lié avec lui. Teddy Ursa, je pense que oui. Voilà. Je pense que j'avais fait déjà du recrutement dans l'épisode 5. Donc, je pense qu'on va pas rester longtemps ici. On va peut-être. Peut-être enchaîner avec la prochaine zone, peut-être. Ah, la prochaine zone. Pardon si j'ai tapé dans le micro. Alors, je m'en fous des quiz. Moi, ce que je veux, c'est recruter des mondes. Là, je crois que je les ai déjà tous les deux là, l'ami. Oui, oui, je sais. Non, c'est bon, le gros là. Oh si, bon. Je crois pas que j'ai affronté ma mochon, donc on va l'affronter ma mochon. Bougre d'endroit, bien entendu. Voilà, le télésiège, c'est par là, mais c'est pas le télésiège qui m'intéresse pour l'instant, c'est la glace. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu me défies en duel, mais oui. Alors, c'est parti. On se fight. Merde. Je lui ai dit foncer, voilà. C'est quand il s'arrête qu'on doit lui rentrer dedans. Il fait de la merde. Ah. Ah. C'est pas comme ça que je vais devoir t'abasser, mais c'est pas comme ça que je pourrais l'avoir. J'arrête pas de lui sauter dessus, ça lui fait des dégâts et puis pas de la vie. Voilà. Un coup de queue. Non, pas de mauvais jeu de mots, s'il vous plaît. Allez, hop. Allez, c'est magnifique ça. Franchement, je l'ai bien eu, je suis content. Quand tu te débrouilles bien, ça fait plaisir. Faut qu'on devienne ami. Alors, ça me fait 60 B. Il me faut que j'atteigne les 1000 B. Donc, franchement, je vais pas faire de l'attraction à off. Hein. Oh oui, parce que normalement, je vais en faire depuis l'épisode 5, mais en fait, j'ai rien fait du tout. Par flemme, tout simplement. Alors on va essayer de compléter comme cet arbre de glace. Alors, est-ce que j'ai pas encore été... Et toi, Lomi, je suis déjà ami, je pense. Le travail brésilien. Depuis que Trini a sorti ça, je leur tiens sur le travail brésilien. Alors, bon, Vic de Cœur, il va pas aller, il va pas voler bien haut. Voilà, ça c'est fait. Mais bon, pour JB, franchement, franchement. Alors, on va peut-être tenter ça. Je vais retenter une nouvelle fois d'affronter Givrali. C'est parti, on va retenter de le battre. Enfin, de la battre, parce que je pense que c'est une fille. Un air très efféminé. C'est parti. Alors, bon, bien entendu, voilà la glace. Ah, je vais déjà plus vite. Je vais t'avoir, je t'ai eu. Alors aussi, bon, je me répète, mais bon, c'est normal, je me fais vieux, j'ai 87 ans, voilà. Je me répète, hein. Donc je sais que je risque d'avoir un petit temps d'avance par rapport à vous, parce que le PVR a un petit décalage. D'ailleurs, quand je vois ma lucarte, je vais remarquer un petit décalage au niveau du Lunchhook. Peut-être d'un quart de seconde, mais très important. Sur ce genre de jeu comme Mario Kart. Alors, bonsoir. Alors maintenant on va aller décorer cet arbre gelé. Ça fait combien de tournage? 9 minutes. Je pense que je vais faire des vidéos de 20 minutes pour ces prochains épisodes. Voilà, terminé. Ils ont pu pisser.
Bon, je pense que je suis ami avec tout le monde dans la partie zone. Je suis ami avec tout le monde dans cette zone. Je suis ami avec tous ceux du côté de Niglali. Je vais descendre au niveau de classe. On va aller affronter au Bali. Je crois que je suis déjà ami avec. Moi, je suis déjà ami avec. Une barre juste ici pour être sûr. Onigali, ma motion, c'est un ring. Oh bah allez, c'est bon. Krabi, ouais, j'y suis déjà. Ouais, bon, bah, je crois que j'ai recruté déjà tout le monde quasiment. Je vais juste retourner en bas du télé. En bas du télésiège et puis. Je pense qu'on va peut-être continuer un tout petit peu le farming parce que je pense pas que j'ai totalement fini dans la zone balnéaire. Donc on va aller dans la zone balnéaire après, puis si vraiment j'ai checké toute la zone balnéaire et toute cette zone, bah on va, on va aller dans les mines de charbon. On va enchaîner avec la prochaine zone, la zone enfouie. Et oui, oh je spoil. Oh, monter sur un télésiège. Bah oui. Bah oui. Alors en partie je vais faire des épisodes de 20 minutes parce que tout simplement pour permettre à l'upload d'aller plus vite. Et pour aussi que les rendus soient plus rapides, même si tu te rapproches pas au niveau des rendus, je vais pas me plaindre. Mon PC est pas vraiment assez puissant, mais ça peut quand même gagner du temps. Bonjour toi. Alors, faisons la course. Bah oui, on va faire la course. Oh merde, un oiseau qui fait la course, mais ça va être un peu chaud parce que le pauvre, ben, il vole. Moi, je suis cloué au sol. Merde. Bien. Bravo, t'es vraiment un champignon. Hop, bonsoir. Alors, bonsoir. Descends un peu. Bonsoir. Voilà. Donc ça c'est fait. Un nouvel ami, voilà, je gratte l'amitié avec tout le monde. 150B, ok. De toute façon, il me faut énormément de B, hein. Vous devez vous en douter, hein. Il faut, je crois que le prochain c'est 1000 B, ensuite c'est 1500, si je le dis quand même, parce que je me suis pas rematé les derniers épisodes, et puis ça fait un bout de temps que j'ai plus touché au jeu. Ouais, puis, en fait, le jeu, j'y joue que quand, que de temps en temps pour délirer, ou alors je joue, pour... Bon, bah, j'ai checké toute la zone, on va retourner donc à la zone balnéaire. Alors... Pour 20B, bon, je suis pour 20B autant que j'ai avec le classe. Hein. Au bout d'un moment, il va devenir à 10B et ensuite il va être encore moins cher, il va être gratuit. Moins cher que gratuit. Alors, bien entendu, pourquoi je prends par là? Parce que je suis con, parce que si j'aurais été assez intelligent, je serais passé par l'autre côté. Mais bon, hein, je pense pas, c'est pas grave. Orsaring, est-ce que je suis ami avec lui? Ouais, je suis ami. Ah, tu veux que partir remise, tu as foutu une raclée une fois, mais c'est pas. Bon, bah, j'ai checké toute la zone. Hein. Bon, ça va, là, j'ai checké toute la zone. Bon, bah, on va repartir en zone B. Ah, quoique, non, je crois qu'il y en a un que j'ai pas encore affronté. Monsieur. J'aurai encore 5 minutes de rab après, je pense. En comptant l'intro d'une minute 30, environ. Alors. Pas par là. Alors, on remonte. Vu. Bonsoir. Bonsoir. Souris, souris, souris. Eh, hey, souris. Hop, j'ai quitté les deux, et puis maintenant on repart pour la zone balnéaire.
cinématique parce que vous devez la connaître maintenant. Bon, alors, avec qui je peux encore amener dans cette zone? Alors, là, je pense savoir qui c'est. Sharpedo, il y en a un qui manque là. Mustéflotte, oulala. Oulalalala. Ah ouais, j'ai quand même du monde, j'ai quand même pas, tout le monde. Quoi que je suis avec lui, je pense. Oui, je suis ami avec lui. J'ai pas le temps, désolé. J'ai pas beaucoup trop de personnes à l'air dans mon ami. Aquali, je crois que je vais. Ouais, je l'ai. Bonjour, monsieur Mousté. Monsieur Flat, tu me trolles. Et il m'en reste environ 3 minutes. Okay. Bon, bah, on va affronter que Mousté Flat. Hein. Bon, tu te calmes, toi. Ouais. Alors, maintenant, pour affronter Mousté Flat, je crois que c'est un combat qui veut. Enfin, height. Duel. Alors, on va essayer de le catapulter dans l'eau, tiens, c'est marrant. Merde. Je fais de la merde. Oh, bon, écoute, on n'aura pas le temps, hein. Putain, ma vie, hein. Et je me suis raté, c'est pas. Ah, j'ai juste perdu 2 combis, c'est pas grave. Je crois que y a Wellard aussi que je suis pas mis, mais Wellard c'est au bout de la... quand on aura bien nettoyé la plage. Et Core Prince, je crois que oui, j'y suis. Alors. Crapin, oui, c'est bon. Ça c'est un peu chiant, c'est le carnet quand vous l'ouvrez, qui retourne tout le temps à la page du début au milieu des amis. Des fois ça peut être vraiment casse-pied. Et on va affronter. Je pense que je me serais trollé au moins 4-5 fois dans cette zone durant cet épisode. Ma petite gourde de cible, mais bête. Bon. Bonsoir. Alors regardez. Moi aussi j'ai envie de troller un coup. Bonsoir. Viens. Non, c'est. Allez, vas-y. Allez, viens, vas-y, viens. Et voilà. Je vais même pas donner un coup, hein. En limite, j'aurais peut-être pu esquiver son attaque rapace, je crois. Je sais pas si l'attaque rapace ou pas, mais bon. En tout cas, j'aurais pu éviter son attaque en faisant le. En appuyant 2 fois sur la croix directionnelle correspondante, et puis. Boum! Kaiminus, c'est bon. Ramolos, je pense que c'est bon. Psychoquak, je pense pas, mais. Bon, voilà. Bon, au pire, de toute façon. Au pire, les amis. Je sauvegarde. Donc les amis, je vous laisse pour cet épisode 7 de Poképark. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, moi j'enchaîne les tournages. Et puis je vous dis à plus. Bye bye. Et Pikachu aussi dit bye bye. Allez, au revoir.